Bonsoir. Merci encore, mes chers étudiants et étudiantes. Je suis toujours content, content et très, très content de vous retrouver. Eh bien, sans plus tarder, faisons un rappel du cours précédent. On a vu comment changer ou bien comment formater un texte en WordPad. On a vu comment changer la taille de police d'un texte, d'une partie d'un texte ou tout le texte en général. Eh bien, on a vu qu'il faut d'abord sélectionner le texte ou bien la partie du texte qu'on veut changer sa caractère. Ou bien la paragraphe, ou bien la ligne ou la colonne qu'on veut formater. Il faut d'abord sélectionner ça et après cliquer sur le menu Home, puis Police Caractère ou bien Font et dans la partie Font Size, on clique pour changer. Maintenant, on va voir comment changer la couleur d'un texte. Comment peut-on changer la couleur d'un texte ou bien le titre de texte? Eh bien, on va voir ça rapidement. Pour le faire, théoriquement, on doit sélectionner d'abord le texte. On doit mettre le texte en surbrillance. Après avoir mis le texte en surbrillance, on doit cliquer sur le menu Home. Et après avoir cliqué sur le menu Home, on doit aller sur Color. Eh bien, pratiquement, faisons-le. Et je lance ici notre WordPad. Eh bien, on va prendre ça. On va mettre un titre à ce document. On va mettre un titre à ce document. On va mettre un titre à ce document. Comment peut-on appeler ce document? On peut l'appeler formatage d'un texte en WordPad. Alors là, c'est le titre de notre document. C'est le titre de notre document. Puisque c'est un titre, on doit probablement mettre le 1 ici. On doit mettre le titre ici, là. Mais étant donné qu'on n'est pas encore arrivé là, je le fais moi-même. Mais on va formater le titre. Il faut mettre le titre en 14. Mais étant donné que pour que vous-même qui regardez le cours puisse voir, je vais le mettre en 48. Mais la taille normale d'un titre, c'est toujours, comme je le disais, c'est en 14. C'est en 14, s'il n'y a pas ce titre. Maintenant, on met ça en 28. C'est pour vous que je fais ça, afin que vous puissiez regarder, puisque je sais que vous pouvez actuellement regarder ça sur votre petit écran, soit sur un téléphone portable. Donc, c'est pour que je vous donne plein d'accès. Maintenant, on sélectionne le texte, on sélectionne le titre et on clique sur Home. On va dans la partie fond ici, là, dans Color, texte color. Je clique. Il y a toutes les couleurs ici. Voilà les couleurs. Je choisis rouge. Vous voyez? Donc, le titre est en rouge. Donc, c'est ainsi qu'on peut changer la couleur de texte. Je le refais encore. Je fais ça pour ici. Je dois sélectionner le texte et je sélectionne ça. Ou bien je mets en surbrillance ça. Ou bien j'active ça. Et après, dans la partie fond, je clique sur texte color. Puis je choisis la couleur. Maintenant, choisissons bleu. Vous voyez? Donc, vous voyez que les couleurs commencent à être vraiment, vraiment belles. Vraiment intéressant. Intéressant. Donc, c'est votre école CTA, Centro Tecnología de las Américas, qui vous offre tous ces cours gratuitement. Il y a une seule chose à faire, c'est de partager, 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 partager les cours à d'autres gens, afin qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ont accès. Il ne faut pas être égoïste. Et de plus, c'est la seule manière, le seul moyen de nous encourager. C'est la seule
manière ou le seul moyen de nous encourager à continuer à dispenser ces cours gratuits. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres cours similaires. Merci. Au revoir.